Yes, ok, pour tous les massifs qui sont branchés sur Toujours Solide. Yes, vous savez que Manu Café, original crimé, l'album simple et hardcore. L'interview tout de suite, big go. Micro branché, micro branché. J'ai les Stan Smith blanches toutes neuves. C'est juste simple et hardcore. L'album enfin dans les bacs. Enfin dans les bacs, l'album simple et hardcore. Yes, parce que on a mis du temps pour le mettre dehors. Ah ouais, combien de temps? Bah combien de temps, mon frère, on a travaillé longtemps dessus, mais je peux te dire que maintenant c'est concrétisé. Je peux te dire que c'est combien de temps, c'est presque une vie, parce que j'ai des sons dessus que j'ai fait à mes commences au début de ma carrière vraiment de MC, comme le son avec Madnik par exemple. Et c'est vraiment un album qu'on a mis là de longue haleine pour présenter mon travail, aussi bien ce que je faisais que ce que je fais maintenant. Et c'est pour ça que je peux te dire qu'il n'y a même pas d'année à compter, quoi. C'est maintenant, c'est dehors, il faut juste l'écouter, s'en imprégner, et puis check le son, la vibration, comment ça se passe. C'est juste simple, hardcore. Pays moyen, micro branché, magouille et trafic, je pousse. Alors, une thématique bien particulière pour cet album? Non, pas de thématique, en fait, c'est vraiment, tu vois, comme tout se reporte au titre, simple et hardcore, c'est vraiment une photographie de la vie de la société actuelle, parce qu'elle est hardcore, mais en même temps la vie elle est simple. Donc tu vois, c'est un peu une photo de tout ce qui se passe dans notre petite société martiniquaise, mais en même temps, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ça part moins, parce que c'est, en fait, ce qu'on connaît ici, c'est des trucs qu'on connaît partout, ouais. Et puis c'est accentué par-ci par-là, et c'est vraiment une photographie de ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui. Un constat, un peu. Pas de solution, mais juste vraiment. Voilà, un constat tel quel. Un constat tel quel pour faire ouvrir un peu les yeux de ceux qui veulent les ouvrir, puis ceux qui veulent pas. Tant pis, check le son quand même, parce que il y a de quoi. Il y a de quoi, il y a des trucs pour dénoncer les injustices qui se passent dans la société. Des trucs pour la violence, pour simple hardcore. Alors donc, tu as un paquet de featuring. Rachid, ouais. Leslie, Neg Madnik, Little Sister, c'est là. Ok. Boogie Flam, Leslie. Ouais, c'est le R Pick Up. C'est parce que c'est les gars qui sont avec moi depuis que j'ai commencé, et puis voilà, je voulais qu'ils soient aussi de la partie. Ok. Il y a mes sons, mais on a fait du son ensemble. Boogie qui a fait la majorité des instruments de l'album. Big up pour Boogie B, Boogie Fla A. Big up pour Dedus aussi qui a fait des sons dessus. Et puis voilà quoi. Donc, ok, le travail s'est fait tranquillement en fait. Ouais, bah ouais. Du travail efficace. Simple et hardcore. Tu sais déjà. Je la connais. Simple et hardcore. C'est comme ça nous a fait. Yeah. C'est juste simple et hardcore. Il y a du solide là en fait. LLMC, mon principe. Je construis et détruis. J'allovoue. Machine normal. Donc, il y a un gros travail de réflexion qui a été mené. Ouais, parce qu'avant tout, bon, c'est vraiment du hip-hop. Et on est les lyrics devant quoi. Parce que. En fait, c'est pas des sons. Quand tu vas écouter mon album, naturellement ta tête elle va bouger comme ça. ça veut dire que ça te fait swinger, tout ça, de la vibe. Mais c'est pas un son, tu vois, c'est pas des sons pour danser, pour lever les mains en l'air, faire. Non, tu vois, t'as toujours des paroles dans ta tête comme ça, et même si tu danses dessus, t'es obligé d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est pas comme il y a beaucoup de choses qui passent, que tu danses dessus, t'as un bon beat, tu vois, une bonne musique, et puis bon, les lyrics. Voilà, c'est un petit refrain tout de suite qui vient dans ta tête, et puis t'es content. Ah non, t'es obligé d'écouter ce que je dis. Parce que même s'il y a les refrains, tout ce qu'il faut, mais j'ai toujours mis les lyrics devant, c'est-à-dire que les messages, les paroles, et puis même s'il n'y a pas de message, il y a aussi beaucoup d'égo trucs sur mon album, même des sons où je parle à des femmes, tu vois. Et en fait, même quand t'écoutes ces sons-là, je mets du style dedans, quoi. C'est chaque rime est travaillé pour mettre des phases, du style, du flow. Comme un real MC. Il y a un real MC, tu vois, c'est pas juste je suis là, moi j'ai écrit un petit texte vite fait. Non, j'ai toujours travaillé mon truc, mon album, mes lyrics. J'ai pris le beat et puis je transpire autour de ma feuille, j'écris,
je mets des styles, des phases, du flow pour que quand t'écoutes ça, tu te dis putain, il s'est rappé ce gars-là. C'est juste simple et hardcore. Et non, mais il y a un gros travail qui a été fait sur le graphisme, la pochette et tout. Yes. Nutueyo. Aaron, Nutueyo. Ouais, alors, c'est qui l'a fait en fait? En fait, c'est Compé Aaron, Aaron O'Mac. Aaron? Aaron O'Mac, ouais. C'est. En fait, c'est un MC du hip-hop Bokai, donc du Pussy martiniquais. Et puis, depuis quelques années, bon, il a laissé le rap pour faire du graphiste, quoi, surtout. C'est un graphiste de métier. Oh. Et puis, monsieur déchire grave quand il fait des pochettes. Depuis, on avait sorti un maxi avec Artiste Illimité depuis 95. C'est lui qui avait fait notre pochette pour nous. Il avait fait la pochette du premier album des Nègres Agricoles. Et puis, aujourd'hui, ça donne ça. Aaron. L'intérieur, j'ai vu qu'il y avait un coq aussi. Non, mais c'est bon, ça donne en fait. À la loca, non? Ah ouais, yes. En fait, tu vois, c'est tout le concept, quoi. Simple hardcore, ça veut dire que. Franchement, cet album-là, comme je te disais tout à l'heure, il a été travaillé, mais vraiment pour que. Tu vois, c'est une carte de visite, c'est ma carte de visite. Avec ça, je passe partout dans le monde. Parce que ça a été un travail vraiment de longue haleine, aussi bien au niveau des sons que de la pochette, tu vois. Tout a été travaillé pour que ce soit un produit, tu vois, comme si tu vas l'acheter, tu crois que c'est une major qui l'a sorti, ouais. Mais c'est pas pièce major qui fait ça, ouais. Made in Madin. Ils savent ça. Et puis voilà, quoi. On peut faire mal à nous-mêmes, ouais. Faut pas nous pète foi. Faut juste qu'on fasse les trucs, on s'organise. Et puis voilà, quoi. J'ai mis du temps à le faire. Ça fait du rap ça fait 14 ans que je fais du rap maintenant. Et c'est maintenant seulement que je peux le faire. Mais tu vois, faut pas perdre la foi et puis faire les choses bien, quoi. Parce que maintenant, on peut quand même manger. Bien. Et puis, pièce MC qui dit, voilà. Check album, là. C'est ça, pas aller, quoi. Simple et hardcore. Simple et hardcore. Yes. Y'a pas besoin de parler plus simple et hardcore. Hey yo, simple et hardcore. J'en envoie une pour tous ceux qui sont sur l'album, c'est-à-dire Nègres Agricoles. Big up pour lui, pour l'album de A à Z, son album qui est sorti aussi. Tous les frères du hip-hop antillais qui sont dehors. Rachid qui est aussi sur ça, pour l'album Manque à Mâcher. Le Typical Staff avec Monsieur Le R qui représente aussi sur l'album. Pour l'album Escale au Pays. Tous les frères qui supportent le hip-hop martiniquais, le hip-hop caribéen avant tout. Une pour T-Flash, Mixtape, là où ça vous tue, yo, Cool 16. Tous les frères que je check bien à l'Expo Hip-Hop Bokai. Tous ceux qui ont participé à l'album. Monsieur Cela, un big up band. Tous les frères que j'ai à Big Up, ils sont là. Vous autres savent, les dédicaces à Dan. Une pour toujours solide, parce que les frères, ils suivent le truc. Respect pour eux. Et puis, WD Productions. Yes, WD Productions qui m'a donné la force pour pouvoir le mettre dehors. Iboot, simple et hardcore. C'est un pour tous, Dieu, pour tout le reste. Pour les bitons qui me détestent. Comme au Sablazière et les Wack MC séquestres. Je suis plus fort, mon espèce. Ne viens pas de test. Micro prend chaque corps. Micro prend chier. J'ai les Stan Smith, planches toutes neuves. La casquette sur la tête, sur mes tresses. Yo, le baggy qui tombe aux fesses. Micro branché, original criminal. Et je suis inoffensif, y'a que micro branché que j'agresse. Francis blanche au pied, j'en baggy aux fesses. Casquette baissée, prise de travers sur mes tresses. Jamais stressé, quand je marche, jamais je me presse. Aucun procès, y'a que micro branché que j'agresse. Francis blanche au pied, j'en baggy aux fesses. Casquette baissée, prise de travers sur mes tresses. Jamais stressé, quand je marche, jamais. Mais je me presse, aucun procès, y'a que micro branché que j'agresse. Micro branché, un de test, un pour tous, Dieu pour tout et le reste. La selle pour les bidons qui me détestent, je la serre comme au sable laser. Et les Wack MC séquestres, je suis plus fort de mon espèce. Micro branché HF pour que j'en mette.